Méditation créatrice, le monde d'après le coronavirus 19. Vous vous placez dans une position confortable, bien détendue, les paupières closes. Je détends ma jambe gauche. Ma jambe gauche totalement détendue. Je détends ma jambe droite. Ma jambe droite totalement détendue. Je détends mon bras gauche. Mon bras gauche totalement détendu. Je détends mon bras droit, totalement détendu. Je détends mon abdomen, totalement détendu. Je détends ma région lombaire, totalement détendue. Je détends ma cage thoracique. Ma cage thoracique totalement détendue. Je détends ma région du dos entre les omoplates. Ma région du dos entre les omoplates totalement détendue. Je détends mon épaule gauche. Mon épaule gauche totalement détendue. Je détends mon épaule droite. Mon épaule droite totalement détendue. Je détends mon cou. Mon cou totalement détendu. Je détends les muscles de mon visage. Le menton. Les muscles des mâchoires. Les joues, les muscles autour des yeux, le front. Tout
le visage détendu, tout le corps détendu. Puis maintenant, derrière vos yeux clos, vous imaginez un nouveau monde où règne la paix, l'harmonie et la justice. Vous percevez un ciel bleu sans nuages. En dessous, une verte campagne. Vous marchez dans cette campagne. Vous voyez dans les champs des hommes et des femmes qui sourient en travaillant. Les champs ressemblent plutôt à de gigantesques jardins et vergers. Au lieu des tracteurs polluants qui ne respectaient pas les sols, vous voyez les nouveaux paysans se servir de petits moticulteurs qui fonctionnent à l'énergie libre de type Nikola Tesla. Au loin, vous voyez des camions fonctionnant avec le même type d'énergie non polluante qui emmène les fruits et légumes vers les villes et villages. Vous décidez de monter à côté d'un chauffeur de l'un de ces camions. Les paysages défilent et vous voyez de grands espaces boisés où les animaux vivent en totale liberté. Les biches et chevreuils y gambadent sans crainte. Bientôt, vous parvenez au milieu d'un village. Vous descendez du camion. Et là, une personne vous propose de vous faire visiter ce village semblable à beaucoup d'autres. Les maisons sont toutes à énergie autonome, avec une architecture solaire, un chauffe-eau solaire, l'eau de pluie est récupérée et filtrée. Chaque maison comporte de larges baies vitrées à triple vitrage. Dans chaque maison, il y a un récepteur à énergie libre Nikola Tesla. Les murs des différentes pièces peuvent changer de couleur en tournant un bouton de réglage. Dans la cuisine, une plaque de cuisson à énergie libre permet de cuire très rapidement tout aliment. Mais il y a une large dominante d'aliments crus qui sont remplis de prana revigorant, étant donné que l'agriculture intensive a disparu.
Les plats que l'on vous présente pour les goûter sont tous succulents et végétaliens. Votre guide vous explique que dans chaque maison, il y a des pièces à vivre, mais aussi éventuellement des pièces de télétravail, des pièces de communication à distance pour dialoguer par écran avec de la famille ou des amis. Il y a aussi une pièce consacrée à la méditation et aux exercices énergétiques. En ce qui concerne les communications à distance, de plus en plus de personnes peuvent communiquer à distance par télépathie. Les glandes pinéales de chaque personne se réveillant sous l'effet d'un mode de vie sain. Puis votre guide vous fait visiter les différents espaces du village. Au centre du village, vous voyez un grand bâtiment constitué d'une grande sphère. Vous pénétrez à l'intérieur. C'est comme une sorte de grand amphithéâtre, avec au centre, un peu plus bas, des enseignants de méditation qui, à tour de rôle, dirigent des méditations pour tous les villageois qui désirent y participer. Votre guide vous précise que ce bâtiment sert aussi de salle de réunion pour l'organisation de la vie du village. Chacun peut s'exprimer librement et un comité des sages, désigné par l'Assemblée tous les ans, est chargé de faire la synthèse des avis et d'appliquer le programme choisi en commun. Puis, vous ressortez et la visite continue. Il y a plusieurs coopératives bio bien achalandées, ainsi que quelques autres magasins de produits utilitaires. Vous vous étonnez de ne pas voir de pharmacie ni de boucherie. Votre guide vous répond que dans ce nouveau monde, la vie saine de chacun a fait disparaître les maladies et donc plus besoin de médicaments. Les médecins et autres personnels médicaux sont désormais des éducateurs de santé qui enseignent à chacun une bonne hygiène de vie et une sage philosophie. Ce qui fait que chacun a maintenant une immunité parfaite et des émotions positives et maîtrisées. Plus personne ne mange d'aliments non respectueux de la vie. Les végétaux et fruits exempts de pollution suffisent à nourrir chacun. Avant de quitter ce village, vous voyez des groupes de personnes pratiquer du Qigong dans les jardins publics, ainsi que du yoga et autres pratiques énergétiques. Vous saluez votre guide et vous décidez d'aller visiter une grande agglomération. Vous retrouvez le chauffeur du camion qui vient de livrer ses aliments à la coopérative bio.
Il vous dit qu'en effet, certaines personnes ont opté pour habiter de grandes villes qui proposent davantage de loisirs et de culture. Le chauffeur vous propose de vous emmener visiter, car il a beaucoup de temps libre, chacun travaillant. Ce partage équitable des tâches permet à chacun de disposer de beaucoup de temps libre. Sur le trajet, vous percevez de nouveau des groupes de gens joyeux effectuant des tâches agricoles. Il y a aussi des machines robotisées, automatiques, reliées à l'énergie libre, qui cultivent des champs de céréales. Bientôt, vous parvenez à l'orée de grandes colonnes et barres couvertes de végétation. Le chauffeur vous explique que ce sont des immeubles d'habitation recouverts de murs végétaux. Même les toits sont recouverts de végétation. Le chauffeur vous propose de visiter. Cela vous amuse de cueillir des fruits qui poussent sur les murs recouverts de végétaux. Lorsque vous pénétrez dans les pièces d'un appartement, vous constatez que c'est la même organisation que dans les maisons de village et les mêmes sources d'énergie. Le chauffeur dit que cette grande ville est autogérée par quartier, chacun des quartiers fonctionnant comme des villages. Vous croisez dans l'immeuble des personnes souriantes, au teint frais et respirant la santé. Dans chaque immeuble, il y a une salle commune de méditation et d'exercice énergétique. Vous demandez tout de même au chauffeur, guide improvisé, s'il y a des prisons, de la délinquance, des forces de police. Votre guide vous répond qu'avec un tel mode de vie sain, la délinquance a presque entièrement disparu, et donc il en a résulté la quasi-disparition du besoin de forces de l'ordre. Les prisons peu nombreuses sont devenus des centres de réharmonisation où les cures de méditation, de mantras appropriés, de rééquilibration énergétique des chakras, de jeûne et monodiète ont au fait de remettre sur un chemin vertueux les plus récalcitrants. Il subsiste bien quelques anciens politiciens nostalgiques du monde d'avant et toujours avides de pouvoir. Ceux-là sont recyclés dans l'apiculture où le contact avec le monde des abeilles, parfois piquant, finit par les assagir et les resociabiliser. Ravi de ce nouveau monde d'après, possible futur parmi d'autres selon la physique quantique, vous revenez à l'état présent, ayant repris contact avec votre liberté intérieure. Vous effacez ces sensations, ces images. Votre respiration est plus ample, plus profonde. Vous ressentez bien votre front, les muscles autour des yeux, les doigts des mains, les paumes des mains, les orteils, les plantes de pieds. Vous ouvrez les yeux quand vous voulez. La séance
est terminée.